Au fil des années, Jessica Thévenin a su gagner en notoriété. Révélée en 2014 dans Les Marseillais, elle a enchaîné les émissions avant de devenir l'une des plus grandes influenceuses de France. Suivie par plus de 6 millions de personnes sur Instagram, elle a également fondé sa famille et est devenue la maman de deux adorables enfants, fruit de son amour avec Thibaut Garcia. Sa popularité a-t-elle impacté sa famille ? Il semblerait que oui, d'après les dires de son propre frère Logan. Mélon Thibaut Garcia Livan Jessica Thévenin @Instagram. Un livre prochainement publié. Les fans de Jessica Thévenin peuvent actuellement la retrouver dans l'émission C'est la famille sur W9. Les caméras de la chaîne suivent ainsi son quotidien, ainsi que celui de nombreux autres Marseillais. Sur le tournage, Logan, le petit frère de Jessica Thévenin, a pu prendre la parole. Alors qu'il discutait avec sa sœur, il revenait sur le livre qu'il avait écrit. Tu ne m'as pas trop démonté, ça va ? A demandé Jessica Thévenin en rigolant. Logan n'a pas manqué de la rassurer à ce sujet, affirmant que le livre se consacrait davantage sur sa vie à lui en tant que frère d'une célébrité. Dans l'ombre d'une star de télé-réalité, a-t-il précisé. Mon frère a décidé de faire un livre. Dans l'ombre d'une star, ça va s'appeler. Je suis connu et dans ma famille, il y en a qui le vivent bien, d'autres mal. Il y a des bons côtés comme des mauvais. Je trouve ça cool que mon frère ait pu mettre ses mots sur ce que ça fait d'être le frère de quelqu'un de connu. Comment il le vit? Je pense que je vais peut-être découvrir des choses que je ne sais pas. Jessica Thévenin @Instagram. Des internautes cruels. Ce court extrait de l'émission partagée par W9 sur les réseaux sociaux n'a pas manqué de faire réagir les internautes, parfois très cruels. Et ça intéresse qui la vie du frère d'une meuf de télé-réalité ? Pour moi, une star c'est genre Rihanna, Beyoncé. Comment essayer de se faire de la thune ? Heureusement, la famille Thévenin a pu compter sur le soutien de quelques internautes. Je vous invite à aller taper définition star sur Google, les gars. C'est écrit personne célèbre, très en vue. Si elle n'est pas très en vue, pourquoi vous êtes tombé sur sa vidéo, vous qui ne la suivez pas mais qui venez perdre votre précieux temps à la descendre ?